Adieu, adieu les gens, comment ça va? Eh ben ici, ça travaille. Je suis un peu orangé, comme on dit. Pourquoi? Parce que je suis en train de scier des briques. Je suis en train de couper de la briquette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais depuis... Voilà, quoi. Ça fume. J'ai les chaussures là aussi. Voilà quoi. Bon, j'ai déclenché le compresseur pour me nettoyer un peu. Là ici c'est atelier briquette. Aussi la brique. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait ça en fait. Alors, j'ai tendu mon sécuridal. Par-dessus, j'ai mis treillis soudé qui est là. Je l'ai découpé et tout est référencé, tout va bien. Il y a des petits numéros même sur les que j'ai écrit. Comme là, on voit un petit numéro 2. Bon, je ne sais pas si on le voit. Petit numéro 2. Voilà, parce qu'en fait, elles sont référencées. Et hop, quand ça sera l'occasion de couler la dalle béton, ben, j'ai plus qu'à les mettre en place. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, le sécuridal, eh ben, il est très étanche. Et donc, si je tends la bâche à fond, que je mets mon treillis soudé et tout le tralala, et qu'il pleut, eh ben, ça va faire une piscine. Et après, pour couler à l'intérieur, eh ben, c'est la merde. Donc, je l'ai un peu surélevé, comme ça coule, au cas où. Et le jour où je veux couler mes dalles, hop, j'ai plus qu'à le positionner, les ligaturer. En fait, ça prend 20 minutes, quoi. 20 minutes. Là-bas, j'ai fait pareil pour la chambre à Louis. Il y a le treillis soudé qui est en attente devant. Il n'y a plus qu'à le prendre. Clouc, il est au bon endroit. Voilà, c'est en long, quoi. Le premier qui vient, c'est le numéro 1. Donc, Clouc, il va là-bas. Le numéro 2, il va là. Enfin, tous en briques. J'ai coupé des petites briquettes tout le long, là, pour les positionner. Clac, 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 clac. Pour surélever le treillis soudé. Donc, voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train de casser, enfin, enfin, ce que j'ai fait, parce qu'en final, j'ai fini. Je suis en train de me boîter ça là. Voilà. Donc là, il n'y a qu'une seule rangée, c'est pour définir les longueurs. Et après, surtout voilà, les profondeurs, quoi. Il y en a 6. Bon, je pense que j'en ai peut-être un peu beaucoup. J'ai prévu large. Mais j'ai préféré prévoir large et en avoir de trop, plutôt que pas assez et devoir ressortir les machines et les trucs comme ça. Voilà, ici là, la bâche, je l'ai réenroulée. Puisqu'au final, j'ai réussi à la réenrouler. Bon. Là-bas, en fait, j'ai pas réussi à la réenrouler parce que j'ai fait les trous pour les ferrailles, les remontants, là, les ferrailles de poteaux. Alors que sur celle-là, je les ai découpées autour. Donc, j'ai pu rabattre. Voilà. Donc, j'ai rabattu ici. Voilà, c'était la bonne opération de ce matin. Le treillis soudé. Voilà. Ça rend bien, hein. Ça commence à rendre pas mal. Bien, ça sent bon. Vous sentez ce que ça sent? Ça sent la dalle béton. Ça sent la dalle béton qui se rapproche. Et ça va être une grosse opération. Quand j'aurai coulé mes dalles béton, là, je vais être content. Là, je vais être content. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi à l'intérieur? Parce qu'hier, on n'a pas pu faire vidéo hier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi à l'intérieur? On va allumer la lumière un peu parce que... Hop, voilà. Il y a eu du chantier dans l'intérieur. Ah bah oui, forcément. C'est pas qu'il faut juste débrancher, c'est qu'il faut brancher. Hop là, voilà. Et donc qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Ah là ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé dans notre chambre. Voilà ce qui s'est passé. Bon, j'ai un gros meuble en plein milieu maintenant. Mais voilà ce qui s'est passé dans notre chambre. Première passe d'enduit partout. Partout. Bon, en vrai, ça dégueulasse à mort. Ça dégueulasse de ouf. En plus, bon, je ne suis pas un grand adepte de ça. Donc, je peux vous dire que ça dégueulasse. Hein. Bon, là, j'ai un bon coup de. Un petit coup de ponce à faire là pour enlever les petites aspérités. Vous voyez, un peu comme là. Je ne sais pas si on y voit. Hop. Petit caca, ça il faut enlever parce que ça sert à rien. Et puis si j'en mets une couche d'enduit par-dessus, ça va baver. Voilà, il faut que ça soit tout lisse. Et ben ça l'est pas. J'ai toute la chambre à faire comme ça. Après,
J'ai une deuxième passe à faire et tout le tra... enfin j'ai une deuxième passe et puis après une dernière passe de finition. J'en ai trois. J'ai trois trucs comme ça à me coller. Ça, c'est chouette. Ah, voilà. Mon copain, il est prêt. Allez, viens là, mon copain. Ah, la sécuridale qui se fait la balle. Ah, on va laisser pousser dehors. Vous voulez voir comment c'est poussette sur chantier? Quand il y a de... On prend le pistolet. Voilà comment on fait. Tempête. J'en ai vraiment partout, hein. Vraiment la merde. Ah, la poussière de ouf. Oh, j'en ai même survécu. Je te trompe, mon Dieu. Bon, propre comme un souneuf. Voilà. Il faut que je fasse l'autre bras parce que, en fait, au final, bah, j'oublie les bras, quoi. Ouh, il y a la poussière. Et après, ça bouge les pores de la peau et en faisant pas mal. Voilà. Et voilà. Bon, hormis ça, eh bien, regardez, je suis en t-shirt. Je suis en t-shirt. On est en début janvier, je suis en t-shirt. C'est au calme. Au KLM. Bon, allez, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous souhaite une bonne soirée. Piou, moi, il faut que j'aille chez le coiffeur, je crois, parce que là, je ressemble à un super saiyan. Allez, la bise, les gens. À plus.